J'ai oublié moi mes protège-dents là. Mais bon. Scénar en tête ou je te le rappelle? Non, je pense. Tu l'as en tête? Donc vous avez 3 minutes chacun, mais c'est cool, ok? C'est ça. Dès qu'il grignote un petit centimètre, tu places le jab, comme ça il peut plus avancer. Voilà, là on y est. Ça tourne. Qu'est-ce que ça a donné là? Tu te sens comment? Bah, je me sens bien vidé. Non, c'est bien, je me sens comment? Je me sens bien vidé. Je me sens bien avec mes sparring partners. C'est important ça aussi de savoir s'ils sont efficaces ou non, tu vois, en l'occurrence, ouais. Salement efficace. Là, c'était un synchrone du coup, où il faisait 2 minutes et demie chacun? 3 minutes chacun. 3 minutes chacun. Ah, donc 5 fois 6? C'est des rounds de 6 minutes, oui. Et là, le fait que. T'es un mois devant toi, un mois il faut repartir, un mois où ça y est tu reprends un petit camp d'entraînement mais tu reprends quand même, psychologiquement ça te met comment en fait de te dire on repart? Psychologiquement ça me met comment? Malheureusement ça ne me met pas dans un mood, c'est ça le problème. C'est que c'est tellement proche, tellement rapproché et il y a tellement la fatigue qui ne s'est pas évacuée que je dois rester dans un rythme avec la fatigue. Tu sais généralement quand tu fais toi le volcan ça a été 2 mois et demi tu vois. Puis derrière tu fais ça, et là on peut pas faire ça, tu vois, pour décompresser. Ouais. Tu vois, décompresser. En fait, c'est beaucoup dans la tête aussi. C'est beaucoup dans la tête, donc du coup, on est obligé de garder en fait le cap.
J'ai pris des coups, je retourne dans les coups, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est... j'aime bien. Parce que ça forge, tu vois. C'est des moments pas faciles. En vrai de vrai. Parce que c'est la fatigue, moralement, il faut rester. Tu vois. Angry, tu vois, il faut avoir angry, faut avoir faim. Du coup, ça t'oblige à laisser les mauvaises ondes dans ta tête de côté, tu vois. Faire un boulot sur toi-même. C'est une des choses les plus compliquées pour un sportif, tu vois. Quand t'arrives au top niveau, qu'il y a plein de trucs qui s'ajoutent à côté, bon, moi ça va, ma vie elle est tranquille, tu vois. Quand t'es tu vois. Parce que moi, ah, j'ai connu ça en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que ça m'a forgé, parce qu'au début je connaissais ça. Parce que je travaillais beaucoup. J'avais beaucoup de fatigue, énormément de fatigue, des machins, des problèmes d'argent, de ceci, de cela. Et t'es obligé d'être là en mode grinta, tu vois. Tu peux pas arriver. En plus, à l'époque, le Muay Thai, frère, c'était trop les entraînements. Frère, t'as envie de chialer, gros. Et là, t'es en mode. T'as envie de t'énerver, t'as envie de vomir, t'as envie de machin et tout. Tout ça, ça forge. Donc, je me dis, tu vois, tout ce qui t'arrive, même là, la petite épreuve en mode, c'est pas facile. C'est une des étapes les plus importantes. Il faut aller chercher la motivation, ça fait chier, tu vois, mais il faut aller la chercher, tu vois. Mais du coup, tu te dis quoi dans ces moments-là où ça te fait chier, ça t'en a marre, faut pousser? Pas le choix. T'as pas le choix. Tu veux louper un entraînement, pas le choix. Chaque truc que tu loupes, c'est un truc en moins et c'est un truc qui fait pas du bien au cerveau. Il vaut mieux aller pleurer à la salle qu'aller se reposer, louper un entraînement chez soi et tomber des doigts après, tu vois. Donc tout va bien. Tout va bien. En vrai de vrai, tout va bien. Regarde ce qui m'arrive. C'est un délire. Les gens, ils rêveraient d'avoir ça, frère. J'ai commencé le MMA il y a 3 ans, frère. Des gens, ils font du MMA depuis 15 ans, ils rêveraient d'avoir une situation. Donc ça aussi, tu vois, tu te poses et tu te dis, ouais, frère, t'es là, plains-toi pas, oh là là, t'es un fou malade, toi. Tu sais, j'ai tendance à me plaindre des fois, tu vois. Vas-y, j'ai pas envie, tu sais, j'ai les interviews à placer et tout. Quoi. Vas-y, non, vas-y, repousse, machin, non, j'ai pas envie, c'est fou. Frère, tu préfères retourner, comme on disait Lopez, tu préfères retourner cravacher toute la journée et tout. Tu préfères faire quelques petites interviews. La question est vite répondue. Suite à la victoire de Cyril contre Volkov, c'est un peu la folie à la salle. Donc là aujourd'hui, on a Cyril qui va faire une pub pour, si je dis pas de bêtises, la marque Casio. Et il y a aussi l'UFC Countdown qui est là pour le suivre. Donc c'est un peu la folie. Depuis ce matin 6h, on a toutes les équipes qui sont là. Ça va être une très grosse journée pour lui. Non, mais on peut garder la Casio quand genre, en fait, il y a des pompes, des un échauffement. Oui, ça, voilà. Oui. Après, pour le combat, je dis ça. Pour le combat. Parce qu'en fait, quand il met des gants, ça ah, ouais, bah là, ça oui, même pas, je me doute. Bien sûr. Bien sûr. Autant qu'il le relève. Oui, oui. Au plus réaliste possible, mais si c'est. Je peux faire un peu de shadow, des trucs comme ça. Ouais, voilà, ça c'est parti. À partir du moment où je mets les bandes, je vais en avoir. Attends la logique. Si tu fais l'avant, mais l'avant, tu ne voulais pas la filmer dans les vestiaires. Retour. Moteur. Caméra. Voilà, clap, on fait 3, quand vous voulez, quand tu veux. Oh yes, I like it. Every time I like to enjoy the process. Every time, so everything I can do, I enjoy the process. À chaque fois, tu vas venir toucher le plot au centre. T'es pas obligé de toucher. Enfin, tu peux effleurer le truc. On va venir effleurer. Tac. Oh.
En moué, quand j'étais en moué, le PSG, comment je le fais? J'étais à 102 kilos, tu sais. J'avais une dizaine de kilos de moins. Et je faisais que ça courir. Genre, t'avais que des petits 70 kilos et tout qui restaient. Et moi, j'étais là, genre poids lourd et tout. J'ai dit, wesh. Mais le lourd léger, ils avaient déjà abandonné depuis. Non, Muay Thai, je courais de ouf. Fugal, si vous laissez passer et partir tout votre CO2, ça va être compliqué. T'allonges la foulée jusque deuxième lune blanche. Et t'allonges à nouveau la foulée, tout ça en course arrière, on va dire, jusqu'à la dernière ligne blanche. Et on est bon. Un peu sur le côté. Et tu feras aller-retour. Donc t'as compris? En ayant le style d'Apollo Creed. Bah, il avait pas de style, Apollo Creed. Laisser les pros jouer. Non mais dépêche. J'ai touché l'appareil. Ah, il est bon hein, ce con là, mais il sait tout faire ce con. Ah ouais. Je l'emmène au volley, il joue. Au foot il joue, au tennis il joue. Au golf il te sort des swings de ouf. Je crois qu'il sait juste pas nager, je crois. On va voir à la piscine, mais je crois qu'il sait pas nager en fait. Ah oui, on l'a tapé la dernière fois au ping-pong et à RMC aussi. Ah quand aussi. Même, il y a une justice. Ouais ouais, bah oui, attends, ça peut pas, tu vois. Pas abusé quand même. Oh elle est belle, elle est magnifique. Et Ryan il joue aussi un peu. Vas-y le 2. Approche du coach. 3 pas d'élan. Voilà. Eh hey, je t'ai dit quoi? J'ai pas dit va la louper. Elle est pas cadrée. Elle est pas cadrée, on est d'accord qu'elle est pas cadrée. Transversal c'est pas cadré mon pote. Cadré ça veut dire que c'est dans les buts. T'es digne de jouer là. J'avoue, elle était belle. Hein mais tu feras pas mieux, chérie. Ça sert à rien, tu pourrais rester là toute la journée. Mais mieux, déjà, j'ai fait mieux déjà en fait. Alors, je l'ai mise, excuse-moi. Ouais, si toi, y'a pas de gardien, y'a rien, tu la mets pas. Moi, je l'ai mise. Donc là, en fait, il y a eu la VAR, il y a eu, contrôle vidéo. Et il s'avère qu'il y a eu une main sur le centre. Je suis concentré, je visualise. Apprends à cadrer ici. C'est dur hein, le foot, c'est dur. Hein. On en a rien de petit. Sur les pecs. Je contracte. Voilà, les abdos. Comme ça tu défends. Là tu sais pas où je suis. Eh oh. Défends, touche-moi, tu sais pas où je suis. Les gars. Il peut plus parler dans 5 secondes. Par ici, mon cher. 5, 2 minutes 30. Je crois que tu peux te mettre en face parce qu'on va pas trop bouger non plus. Donc l'idée, c'est les mêmes consignes. Let's go, c'est parti. Go. Bah, reste pas là. Non, mais un petit peu plus athlétique. Allez. Moi, je vais pas trop bouger parce que je pense que. Je suis armé.
Bon, enfin, ce qu'on va faire, c'est une minute comme ça et une minute, pardon, de chant. Attends, poche, ouais, c'est permis quelque chose, mais voilà. Ouais, là, on n'est pas bon du tout. On se met dans ce sens-là. On se met dans ce sens-là. En plus de 30, ça va nous faire un round à 4 minutes 30, c'est pas mal. Et on pourra. Allez, en fait, on fait qu'un round. Ah, bah, bravo. Ah ouais. Tiens, regarde, on tombe genre en même temps. Non, on va faire une minute, ça. Voilà. Je dirais quand tu vois les enchaînements. Alors c'est quoi le but de l'exercice ? Que Cyril soit en mouvement pour qu'il ait les muscles, on va dire, en activité, qu'il produise un peu plus de CO2 et tout en faisant rentrer moins d'oxygène sur chacune de ses inspirations. Donc là, c'est pour ça déjà en trop de garder la bouche fermée, que le taux de CO2 augmente et qu'il essaye sur chacune de ses inspirations de faire rentrer un petit peu moins d'oxygène. Une minute. Fais léger sur la Z, tu vois. On peut même le faire en anglais, light on the feet. Comme ça, quand tu arrives pour les prochains FC de Medi, c'est vrai. Est-ce que vous allez comme ça, monsieur Gann? Même si tu pisses toujours léger sur les appuis, hein. Cyril, là, on a fini le dernier entraînement du dernier jour du training camp. Dernière. Alors, comment ça s'est passé et comment tu te sens maintenant? Non, on est bien. On a maintenu, comme on dit, on a maintenu ce qu'il fallait maintenir tout au long des 3 semaines. Hein. Et je me sens bien, visuellement, je suis présentable. Dans les performances aussi, au pas haut, je me sens bien. T'as réussi à regagner un petit peu de fraîcheur? Oui, malgré tout, quand même, là, à la fin, quand même, un peu fatigant, quand même, tu vois, c'est pour ça que c'est important de doser. Et puis, à la clé, si jamais on valide cette étape, ce serait assez inédit, ce serait historique. Et derrière, ce sera un ticket pour quelque chose d'encore plus historique derrière, tu vois. C'est quelque chose, là, tu sens quand même un peu d'excitation qui monte par rapport à ça, au fait que c'est quand même une ceinture UFC. Je suis encore moins stressé que d'habitude, même si je suis pas très stressé, tu vois, mais j'ai l'impression que je suis encore moins stressé. Le fait que, tu sais, quand t'enchaînes, je crois, c'est le fait d'enchaîner, je crois. Le fait que t'aies pas pris de pause, tu repars, machin et tout. Puis j'ai l'impression que c'est moi aussi qui ai envie de le prendre comme ça, tu vois. Consciemment, j'ai envie de le vivre comme ça, donc c'est comme ça que je le vis. Je pense qu'au final, on choisit, tu vois. Quand les gens ils ont envie de se dire waouh, la ceinture c'est quelque chose de fou malade, tu vois, bah, ils ont envie de le vivre comme ça, tu vois, du coup ça leur met tout ce qui va avec, tu vois, et tout. C'est, je pense plutôt à la victoire, comment je vais gagner, comment faut pas que je me fasse piéger, comment faut que je gère mon combat. En gros, de vrai, je suis surtout focus sur ça en fait. Tout ce que je visualise beaucoup et tout, c'est vraiment l'instant présent du combat. Quand je serai dans la cage face à lui, comment pas me faire pêcher. C'est plutôt sur ça que je suis concentré, tu vois. Si tu te fais huer ou truc comme ça, c'est pas quelque chose qui va te... Parce que encore une fois, les gens ils ont rien contre moi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu sais, c'est abstrait tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Les gens ils me connaissent pas. Ils ont rien contre moi, j'aurais rien fait de mal, ils m'ont rien fait de mal. Ils supportent, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du décor. Ça va pas m'impacter dans la cage, quoi. Ça n'a rien à voir avec mon combat, tout ça. Alors ça fait bizarre sans public et tout. Ça me fait pas bizarre du tout sans public. Ça m'a jamais fait bizarre sans public. Au contraire, t'entends bien les coachs et tout, j'aime bien. Je suis très concentré sur la cage. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah de rien, puis ouais. Et puis à demain matin. À demain matin pour le fucking vol, il y a combien d'heures? 10h30. C'est en direct? Ouais. En direct à Houston? Direct. Oh, ouais, c'est propre. Ça va rentrer. Ah, bon. Putain, c'est propre. Je suis content. Aide-moi, putain.